L'histoire qui menace ce monde crépusculaire est aussi la force qui peut soumettre l'espace au temps vécu. La révolution prolétarienne est cette critique de la géographie humaine, à travers laquelle les individus et les communautés ont à construire les sites et les événements, correspondant à l'appropriation, non plus seulement de leur travail, mais de leur histoire totale. Dans cet espace mouvant du jeu et des variations librement choisies des règles du jeu, l'autonomie du lieu peut se retrouver, sans réintroduire un attachement exclusif au sol, et par là, ramener la réalité du voyage, et de la vie comprise comme un voyage ayant en lui-même tout son sens. Prenez-vous, monsieur. Un whisky. Java, Sumatra, Hindu, Chinese, Portuguese, Filipinos, Russians, Malayan. What a witch's Sabbath. If any of them saw us coming in here, I'd certainly be offended. The other place is like kindergartens compared with this. And they're all so incredibly evil. I didn't think such a place existed, except in my own imagination. It has a ghastly familiarity, like a half-remembered dream. Anything could happen here. Any moment. Le temps de la production, le temps marchandise, est une accumulation infinie d'intervalles équivalents. C'est l'abstraction du temps irréversible, dont tous les segments doivent prouver sur le chronomètre leur seule égalité quantitative. Ce temps est, dans toute sa réalité effective, ce qu'il est dans son caractère échangeable. Le temps général du non-développement humain existe aussi sous l'aspect complémentaire d'un temps consommable, qui retourne vers la vie quotidienne de la société, à partir de cette production déterminée, comme un temps pseudo-cyclique. Le temps pseudo-cyclique est celui de la consommation de la survie économique moderne, la survie augmentée, où le vécu quotidien reste privé de décision et soumis non plus à l'ordre naturel, mais à la pseudo-nature développée dans le travail aliéné. Et donc ce temps retrouve tout naturellement le vieux rythme cyclique qui réglait la survie des sociétés pré-industrielles. Le temps pseudo-cyclique, à la fois, prend appui sur les traces naturelles du temps cyclique et en compose de nouvelles combinaisons homologues. Le jour et la nuit,